Salam alaikum Azul. Bonsoir, deuxième partie donc de l'émission de cette causerie avec Ali Benouari que nous reprenons illico presto. C'est Ali Benouari. Donc nous nous étions d'accord pour consacrer cette deuxième partie à l'aspect financier, économique de la situation et aussi à la fin de l'émission à vous entendre sur ce que vous envisagez vous-même, les perspectives que vous entrevoyez. Mais j'aimerais vous demander quelque chose. Vous savez que généralement, vous les économistes, vous pensez qu'il aille de soi que les gens comprennent un peu votre jargon. Ce qui est loin d'être le cas. La plupart des Algériens ne comprennent pas. Ils ne savent pas ce que c'est que… Par exemple, la différence, tiens, je vais vous demander de nous expliquer. La différence entre le fonds de régulation des recettes et les réserves de change. Beaucoup de gens confondent entre les deux. Je peux comprendre parfaitement, parce que le gouvernement, le régime lui-même, entretient la confusion. Il n'a jamais cherché à expliquer, dans des termes simples, à la population quels sont les enjeux. Il parle souvent des réserves de change. Et d'ailleurs, il n'en parle que depuis que nous avons commencé à en parler. En disant au peuple, faites très attention, voilà, il y a un indicateur qu'il faut suivre. Suivez l'évolution des réserves de change à l'effet de montrer aux gens que ces réserves de change qui étaient de 200 milliards de dollars fin 2013, début 2014, ne cessent de diminuer par suite de la politique de gaspillage, etc., etc. C'est un indicateur comme un autre. Mais le pouvoir qui, depuis, se gargarise, se flatte en de nombreuses reprises d'avoir des réserves de change, de temps, etc., pour assurer la population. Ils se gardent bien de leur dire qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, quel est l'enjeu. Par exemple, le fonds de régulation des recettes. Le fonds de régulation des recettes, c'était une cagnotte. Une cagnotte qui résulte du prix du pétrole sur le marché auquel on vend et le prix auquel on comptabilise. Donc on le met de côté et puis ça permet d'éviter de passer par l'Assemblée nationale on puise pour boucher les trous du budget. Et puis quand ce fonds de régulation s'est épuisé, dissipé… Il est totalement épuisé. Épuisé, totalement épuisé, je le dis depuis 2 ans. Oui. Au rythme où ça va, voilà où on va aller. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc la différence entre les deux, c'est tout simplement, ça renvoie à la notion d'épargne intérieure brute. Oui. Ça renvoie aussi à la notion de contrepartie de la masse monétaire. Comment la Banque centrale crée de la monnaie? Quel est le lien entre les réserves de change ou les revenus en devise et la monnaie, le dinar que nous fabriquons? Avant nous, dans notre entendement de gens qui n'y connaissaient rien, on disait que la monnaie, généralement, elle était fabriquée en fonction des réserves or dont dispose le pays. En fait, c'est sur ces richesses. En fait, sur ces richesses, ouais. Qu'elles soient monétaires, donc devises, qu'elles soient de l'or… Qui, on a 173 tonnes d'or, 8 dans nos réserves. L'or donne lieu à création de dinars. Les devises qu'on gagne à l'exportation immédiatement sont converties en dinars. Par exemple, Sonatrach exporte, le produit des exportations de Sonatrach va sur son compte dinars à la BEA, à la Banque extérieure. Ces dinars qui sont logés dans le compte de la Sonatrach à la banque extérieure sont fabriqués par la banque centrale. Dès que la banque centrale reçoit des devises, immédiatement elle fabrique des dinars qu'elle loge sur le compte de la Sonatrach à la banque extérieure d'Algérie. Sur cet argent de Sonatrach à la BEA, l'État prélève des impôts. Et c'est ces impôts qui rentrent comme recette fiscale dans le budget. Fiscalité intérieure. Voilà, fiscalité ouais. intérieure. De la même manière que... Quand une entreprise, que la Banque centrale crée de la monnaie pour financer la richesse créée, par exemple. Les banques créent de la monnaie aussi, le processus oui. de création de la monnaie, mais ça, ce n'est plus la monnaie fiduciaire, c'est de la monnaie en dépôt oui. scriptural. Donc, les banques créent de la monnaie, de toute ce sont les dépôts. Logique, ce sont les dépôts. Oui. Mais limitons-nous aujourd'hui oui. à la circulation fiduciaire, c'est-à-dire oui. aux billets de banque qui sont fabriqués. La monnaie. Alors, précisément, oui. quand il y a une très grande activité économique, les banques financent et se retrouvent, vu les investissements, avec un déficit, un besoin de financement. Et si les banques n'ont pas assez d'argent,
à leur niveau, elles vont s'adresser à la Banque centrale pour escompter les effets qui représentent les crédits qu'elles vont octroyer aux entreprises. C'est ce qu'on appelle le réescompte. Oui. Les banques présentent à la Banque centrale les effets qui représentent les crédits qu'elle a accordés. Plus il y a de crédits, plus il y a de monnaie émise. Et donc, le service réescompte de la Banque centrale examine, quand il donne son feu vert, il crée de la monnaie. Oui. Et cette monnaie, ces billets sont donnés à la banque, aux banques commerciales. Oui. Donc, il y a en gros 3-4 sources, si on ajoute le déficit budgétaire. Quand le déficit budgétaire ne peut pas être financé par les banques ou par le public, comment est-ce que le déficit budgétaire peut être financé par les banques? Eh bien, les banques, par les bons du Trésor que le Trésor émet et que les banques achètent. Le public peut acheter ces bons du Trésor à la banque, aux banques commerciales. Donc, l'émission de bons du Trésor engendre également, dans une certaine mesure, donc soit elles sont financées par les banques et le marché, ça ne donne pas lieu à création monétaire, mais quand, et on arrive à la proposition de Yahya, quand la Banque centrale achète les bons du Trésor, elle émet de la monnaie. Mais le financement traditionnellement utilisé en Algérie, la quatrième source de création de la monnaie, c'est les avances au Trésor. Ces avances au Trésor, c'est quoi? Il est bon d'éclairer l'opinion publique. C'est comme une salle de classe où je suis un peu l'instituteur qui explique à des élèves. Mais il n'y a pas de honte à ça, parce que c'est une discipline. Ça fait partie de la science économique. Mais il est bon qu'on explique à nos concitoyens ce phénomène. Donc la quatrième source de création de la monnaie, c'est les avances que la Banque centrale fait au Trésor, direct, en créditant son compte courant. C'est un livre. Oui, oui. Le Trésor a un seul compte, il est à la Banque centrale. Les recettes viennent alimenter le côté crédit et les dépenses que le Trésor fait pour payer les salariés, etc., vont au débit du compte. Si c'est équilibré, il n'y a pas de problème. Si c'est excédentaire, ça alimente le solde, le compte, ce qu'on appelle le solde du Trésor. Et si c'est déficitaire et que le Trésor n'a pas trouvé de moyens de financer ce déficit, ce découvert, la Banque centrale est obligée de payer quand même, parce que l'État ne peut pas être en situation de faillite, d'incapacité de payer. Donc elle émet. Donc la Banque centrale va fabriquer de la monnaie qu'elle porte au crédit du compte du Trésor. Ce quatrième mode de financement ou source de financement, elle est dangereuse, donc elle est réglementée. C'est l'article 46 de la loi sur la monnaie et le crédit qui dit, attention, le Trésor public ne peut pas avoir plus un découvert qui représente plus que 10% des recettes fiscales ordinaires, c'est-à-dire en dehors des recettes fiscales pétrolières. Oui. Si vous voulez, ça représente les recettes fiscales ordinaires en 2016 représentaient 3600 milliards. Donc, la loi sur la monnaie et le crédit établit que la Banque centrale ne peut pas autoriser le Trésor à être à découvert pour plus que 10% de 3400 milliards, c'est-à-dire 343 milliards de dinars. Oui, oui. Or, les besoins du Trésor, aujourd'hui, sont d'une telle ampleur que, évidemment, ça ne suffit pas. Et donc, si on veut que la Banque centrale continue de financer ce déficit, ils sont déjà à découvert, eh bien, il faut amender l'article 46 de la loi sur la monnaie et le crédit. Ça, c'est une chose. Il y a une autre technique. Pour qu'il y ait plus de 10%. Pour que le découvert du Trésor soit supérieur aux 10% des recettes fiscales ordinaires. Mais il y a cet article 45 également, et je pense que c'est celui-là qu'ils vont amender. Cet article 45, qu'est-ce qu'il dit? Que la Banque centrale, dans ses opérations avec les banques commerciales de réescompte, elle peut accepter, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, des effets qui représentent les crédits que les banques ont accordés aux entreprises, ça peut être aussi autre chose. Cette autre chose, eh bien, la découverte, la grande trouvaille, c'est les bons du Trésor. Donc, les banques n'ayant pas d'argent pour souscrire à des bons du Trésor, eh bien, le Trésor va donner ses bons à la Banque centrale et la Banque centrale va émettre de la monnaie comme elle va remplacer les banques qui n'ont plus d'argent, parce que le Trésor a pris tout l'argent des banques. Oui. Et l'argent des banques, c'est aussi l'argent des épargnants. Aujourd'hui, par exemple, si les épargnants demandent à retirer leur argent dans les banques,
il y a de très fortes chances que la banque leur dise « on n'a pas d'argent ». Parce que le Trésor l'a utilisé pour financer ses déficits. Et donc, pour aller au plus court, M. Yahya ou un autre, je ne sais pas, qui a eu cette idée géniale, géniale entre guillemets, c'est de dire « eh bien, on va aller faire comme dans les grands pays qui savent se gérer, on va demander à la Banque centrale de financer directement les bons du Trésor. C'est-à-dire que le Trésor émet des bons du Trésor, il les donne à la Banque centrale fabrique de la monnaie et se retrouve avec, au lieu d'un découvert en blanc, elle va se retrouver avec des bons du Trésor. Ça revient strictement au même. Dans un cas, c'est l'article 46, le découvert en blanc. Dans l'autre cas, c'est les bons du Trésor. Mais ça revient strictement au même, puisque c'est le Trésor, c'est la dette du Trésor que la Banque centrale finance directement par la création de monnaie. Et contrairement à la création de monnaie qui résulte du réescompte, donc de création de richesse, celle-là, le financement du Trésor par la Banque centrale en achetant des obligations, ne donne pas lieu à création de richesse. Et donc, il y a une masse d'argent qui circule, qui n'a pas une contrepartie en bien ou en service. Mais justement, est-ce que ce fameux vocable, cette fameuse formule financement non conventionnel, qui est connue par ailleurs, est-ce que c'est seulement la planche à billets? Et je rappelle, Ali Benouari, que dans cette même émission, il y a plusieurs mois, vous nous aviez dit qu'ils allaient devoir recourir, selon leur méthode, c'était la seule alternative qui allait leur rester, qu'ils allaient recourir à une planche à billets qui va vraiment nous mener droit au mur. Oui, j'avais deviné. Oui. J'avais dit, voilà, ils vont faire ça. Et puis, dès qu'on attire l'attention des gens, des Algériens, Relifir Kobehom, ils vont aller vers l'autre, et puis le piège se resserre de plus en plus, et aujourd'hui, et j'avais prévu qu'il le restera à la planche à billets. Est-ce que c'est d'abord seulement la planche à billets, le financement non conventionnel? C'est seulement là. Il n'y a pas autre chose, parce qu'il semble être en train de nous dire non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Disons qu'il y a trois mesures qu'on appelle financement non conventionnel, qui ont été expérimentées par les grands pays, les États-Unis, les pays de l'Union européenne, mais de manière exceptionnelle et de manière historiquement située. C'est la crise des années 2007 et 2008. Cette crise a entraîné, qui a été le résultat d'une bulle spéculative, les actifs des sociétés, etc., ont augmenté, leur prix a augmenté à un niveau qui ne reflète plus la valeur réelle. Et donc, il y a eu explosion de la bulle spéculative, entraînant, par la même occasion, la faillite de beaucoup d'entreprises et de banques. La banque Lehman Brothers, l'une des plus grandes banques du monde, a fait faillite, 2007-2008. Et du coup, les banques ne prêtaient plus aux entreprises. Et les banques elles-mêmes se sont retrouvées dans une situation d'illiquidité, n'ayant plus d'argent. Que pouvaient faire les gouvernements des grands pays pour affronter et résoudre cette crise? Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Les banques centrales, qui sont des prêteurs en dernier ressort, qui peuvent fabriquer de la monnaie, des euros, des dollars, etc., ne peuvent pas, ce n'est pas leur mission. Leur mission, c'est de combattre l'inflation au moyen d'instruments de politique monétaire, c'est-à-dire du taux d'intérêt, des taux d'intérêt à court terme. Et donc, logiquement, si les taux d'intérêt n'avaient pas été proches de zéro, les banques centrales auraient baissé les taux de manière à ce que les banques puissent emprunter à des taux pas chers pour financer, pour mais c'était beaucoup plus grave que ça, parce que les taux d'intérêt étaient d'abord proches de zéro et donc ils ne pouvaient plus utiliser l'arme des taux d'intérêt. Et le but principal, unique des banques centrales, qui est de combattre l'inflation, contrôler, maîtriser l'inflation en retirant de l'argent de la circulation quand il y a surchauffe et en mettant de l'argent en circulation pour favoriser l'accroissement économique, la reprise ou la croissance économique. Les banques centrales se limitent au taux d'intérêt et au taux d'intérêt à court terme. Ces taux d'intérêt étant censés impacter les taux à moyen et long terme auxquels les entreprises se financent, généralement, pour leurs investissements. La machine s'est grippée. Et du coup, ni les entreprises, ni les banques européennes, américaines ne pouvaient plus survivre. Donc c'était la crise systémique qui menaçait d'entraîner la faillite de toutes les banques du monde.
autrement dit la faillite de l'économie mondiale. Un peu comme 1929. Voilà, exactement ouais. comme en 1929. Et donc, ils se sont dit, on va faire une exception aux pratiques des banques centrales. Donc, on va permettre aux banques centrales de recourir à trois types d'instruments qui ont été expérimentés de manière un peu empirique. Ce sont des mesures d'assouplissement monétaire dites credit easing, ou le deuxième type d'assouplissement, c'est les quantitative easing, ou QE, et la troisième mesure, c'est la technique des forward guidance. On peut entrer rapidement. Mm-hmm. Alors, la première mesure, c'est-à-dire les mesures de credit easing, d'assouplissement monétaire, consiste précisément à permettre aux banques centrales d'acheter des bons du Trésor et des obligations d'État, des obligations d'État d'une manière générale, ou même des obligations, comme aux États-Unis, baquées sur des crédits que les banques ont accordés aux gens pour acheter des biens immobiliers. Donc, des biens qui ont financé de l'achat. Donc, ces obligations... Mais les gens achètent parce que c'est du sûr. Oui, oui. Le remboursement est quasi garanti par l'État lui-même. Oui, mais aux États-Unis, ils ont été jusqu'à acheter des bons qui ne sont pas des bons du Trésor, même des obligations d'agences spécialisées dans le financement hypothécaire. Donc, les banques présentent aux banques centrales des obligations qu'elles ont dans leur portefeuille. Ça peut être des obligations d'État, mais ça peut être aussi des obligations d'autres choses. Et donc, la banque centrale va financer, va créer de la monnaie, gonfler son bilan, pour mettre de l'argent bon marché en plus, à la disposition des banques, en leur demandant de prêter cet argent aux entreprises. Elles n'ont pas joué le jeu. La plupart n'ont pas joué le jeu. Elles se sont renflouées et n'ont pas financé. Absolument. Ils ont inventé donc la quantitative ease, donc, qui sont une mise à disposition directe, illimitée, de monnaie aux banques centrales pour que ces banques centrales prêtent également donc, aux machins. Alors, et la troisième, c'est tout simplement que les forward guidance, les banques centrales cherchent à influencer les taux à long terme, à moyen et long terme, alors que leur but, leur fonction, leur mission, c'est uniquement les taux à court terme, en décidant de fixer des taux, non pas sur 3 mois, 6 mois ou 12 mois, des taux très bas, mais sur des périodes beaucoup, beaucoup plus longues. Bien entendu, ce sont des mesures exceptionnelles. De plus, ces mesures ne font pas l'unanimité. En Allemagne, par exemple, il y a eu tout un mouvement destiné à faire annuler ces mesures. Parce que tout le monde s'est dit, ces mesures restent quand même des mesures non orthodoxes et inflationnistes. Et pour finir, ces mesures d'assouplissement, elles sont temporaires. Et l'argent que les banques centrales ont avancé aux banques commerciales ont avancé au Trésor en achetant des obligations, notamment des obligations d'État, comme celle de la Grèce. Personne ne voulait financer la Grèce. Elle était obligée d'emprunter à 20%. Faut-il laisser couler la Grèce? On ne peut pas, parce que ça entraîne des risques systémiques, ça risque d'entraîner d'autres pays dans la tourmente, Portugal, Espagne, etc. Et donc, ils se sont dit, on va acheter des obligations d'État grec en créant de la monnaie. Ils l'ont fait, mais tout cela est d'abord très critiqué, très décrié, parce qu'il y a quand même une orthodoxie monétaire, des pratiques, une longue expérience, et ces pays... Ces grandes banques centrales craignent, et les gouvernements derrière, craignent l'inflation. Donc, voilà où nous... Alors, d'abord, cette planche à billets. Yahya a dit que grâce à elle, grâce à ce recours au financement non conventionnel, l'Algérie allait sortir de la crise en 3 ans. Il l'a dit, hein ? Oui. 3 ans. Alors, d'abord, en termes de montant, à quel montant il compte imprimer, j'allais dire, de faux billets? Oui, alors d'abord, il convient de dire aux téléspectateurs que la référence au financement non conventionnel qui se pratique à l'étranger est une référence trompeuse. On trompe les Algériens. Parce qu'en l'occurrence, il n'y a que planche à billets, rien d'autre. Parce qu'à l'étranger, en plus que ces mesures sont temporaires, etc., que les avances sont remboursables, etc., elles ont été provoquées accidentellement par la crise boursière. Terrible. Mais nous, où est la crise boursière? Nous sommes totalement déconnectés des marchés financiers. Nous n'avons pas des marchés sophistiqués, sensibles à des faillites, sensibles
à l'éclatement de bulles spéculatives, etc. Donc la référence à ces grands pays et au financement non conventionnel tel qu'il se pratique dans les grands pays, elle est trompeuse. Elle est trompeuse à moins de considérer que notre bulle spéculative à nous, c'est le pouvoir. Et l'incompétence. C'est la crise créée par le pouvoir qui a créé un pouvoir d'achat comme les actions qui montent de manière excessive. Tout à fait factice. Tout à fait factice et qui éclate. Et, qui éclate, et donc, à moins une que... Bulle. Une bulle. Comme une bulle, voilà, à moins que... Mais puis, et puis en Europe, aux États-Unis, au Japon, quand on recourt à des mesures semblables, on chiffre le montant. Et on dit comment ça va être résorbé, parce que c'est résorbable. Aujourd'hui, par exemple, la Banque centrale européenne a décidé d'arrêter et entrer dans le processus de remboursement, c'est-à-dire qu'une fois que les banques se sentent mieux, eh bien, elles vont rembourser l'argent qu'elles ont emprunté à la Banque centrale. Mais ici, ce n'est que le trésor. Et le trésor, ce que Yahya ne dit pas, c'est qu'il ne dit pas comment et quand. Ou plutôt, oui, comment et quand il va rembourser ces montants. Surtout qu'il cache les montants, l'ampleur, l'importance de ces montants. Et d'après vous, elles seront de combien, ces montants ? Alors, lui dit, dans 3 ans, on s'en sort. Si c'est le cas, il y a plusieurs contradictions dans ce qu'il dit, plusieurs anomalies. Parce que dans le plan d'action, on dit qu'on va utiliser ce financement non conventionnel pendant 5 ans. D'accord ? Par ailleurs, il dit, dans 3 ans, on s'en sort. Mais alors, dites-nous, comment vous allez faire pour rembourser? Quel montant d'abord vous allez solliciter? Combien de dinars nouveaux vous allez créer? Il parle d'un trou de 5 400 milliards, je crois, il me semble. Je ne sais pas comment il calcule ces chiffres, mais on peut essayer de se retrouver en prenant le déficit budgétaire. Par exemple, le déficit budgétaire pour 2017 est affiché à 1 240 milliards de dinars. Si on prend 3 ans, ça fait... 3 700 milliards de dinars. Si on prend 5 ans, ça fait dans les 6 000 milliards de dinars. En réalité, ce chiffre, il est faux. Il est trompeur. Parce que le déficit de l'année dernière, de 2016, il n'a pas été de 1 247 milliards de dinars. Il a été de, je vais vous dire le chiffre exact, de 3 500 milliards de dinars. Comment, par quel miracle, le déficit de l'année 2017 pourrait baisser à 1 247 milliards de dinars? De plus de coup de moitié. Oui, comment? D'abord, peu de gens l'ont vu. L'Assemblée nationale n'a pas fait son travail. Les commissions qui sont chargées de travailler sur le budget n'ont pas fait leur travail. Alors, voilà... ce qu'on nous raconte comme salade, si vous justement, permettez justement, l'expression. Justement, d'où vient ce déficit que le gouvernement dit vouloir résorber? Alors, ce déficit, je rappelle d'abord que le déficit de 2016 était de 3 236 milliards de dinars. Et pour 2017, ils nous disent que le déficit va être diminué par trois. Comment? Ils sont malins, surtout qu'ils n'ont pas de contradicteurs, ils n'ont personne pour leur dire comment. Alors, ils ont décidé, ces gouvernants géniaux, que les recettes allaient augmenter que les recettes d'origine hydrocarbures, les recettes fiscales pétrolières et gazières vont augmenter de 30%. Et ils vont faire monter les prix du baril ou... Alors, je me suis amusé. Ou tripler les prix de production. Voilà. Ou... Finalement, voilà, nous faisons le travail qu'aurait dû faire le Parlement. Quand je disais que le Parlement est un Parlement fantoche, voilà, on voit là l'illustration la plus parfaite. Parce que ce n'est pas sorcier, ces chiffres. La première question qu'un député ou que la commission budgétaire aurait dû demander, c'est comment vous envisagez une augmentation des prix du pétrole de 30% sur quelle base? Alors, je me suis amusé à chercher, à voir l'évolution des prix du pétrole depuis janvier. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, les prix ont augmenté de 11%. Et nous sommes en septembre. Oui. Donc, il est absolument clair que les recettes fiscales d'origine pétrolière et gazière n'augmenteront pas de 30%. Je pense que ça se situera à peu près à 10%. D'accord.
Cela signifie que le déficit de 1247 est sous-estimé. Ceci d'une chose. Ils ont également prévu une baisse des dépenses d'équipement, du budget d'équipement, de 4 %. Un budget qui représente la moitié des dépenses totales, la moitié du budget de fonctionnement, qui est donc déjà rachitique. Ils ont prévu que ce budget baisserait de 4 %. Par quel miracle ? Par quel miracle ? Par quel miracle, je me suis plongé dans la structure de ces dépenses d'équipement. Et j'ai vu qu'ils ont baissé les dépenses de toutes les dépenses, tous les chapitres, y compris les transferts sociaux, tous les transferts, et les aides à l'encouragement, à l'aide au logement, la bonification des taux d'intérêt, les aides pour financer tous les transferts sociaux, à sonner le gaz, etc., pour maintenir des tarifs bas. Ces transferts sociaux représentent la moitié des dépenses d'équipement. On va y revenir. Ils ont baissé d'équipement, parce qu'une partie des subventions est dans le budget de fonctionnement, une partie des subventions est dans le budget d'équipement, d'accord, en tant que soutien, etc. Et donc, il est déjà impossible d'imaginer que les dépenses d'équipement puissent être baissées de moitié, en sachant que de ces dépenses dépendent le niveau de vie des Algériens, l'accès au logement, l'encouragement de certains investissements agricoles, etc., dans le domaine agricole. Donc, il y a comme une tromperie sur les chiffres. Donc, baisse de 4 % du budget d'équipement, ça n'est pas possible. Augmentation de baisse de 28 % baisse de 28 % du budget d'équipement, pardonnez-moi, j'ai fait une petite confusion, et 4 % baisse de 4 % du budget de fonctionnement. Donc, au lieu de baisser les dépenses improductives, on baisse les dépenses productives indirectement, c'est-à-dire le budget d'équipement. Autrement dit, on arrête les chantiers publics. Voilà. Il y a beaucoup de chantiers à l'arrêt que les Algériens peuvent constater, qu'il y a des métros. On freine la relance, la consommation. Et donc, on freine l'emploi, donc il va y avoir des chômeurs en plus. On retarde le développement du pays parce que le budget d'équipement ou les dépenses d'équipement sont destinées à encourager la production. Mais ça ne se voit pas, ça se voit moins que… Ça se voit moins. Voilà. Comme ça ne se voit pas, les salaires, c'est facile, ça se voit. Oui. Vous ne pouvez pas baisser le budget des soldats ou des policiers ou des fonctionnaires, ça se verrait tout de suite. Oui. C'est la contestation assurée. Oui. Mais le budget d'équipement, qui est plus utile pour le pays en termes d'amélioration de la production… Mais je ne vois pas tout de suite, les gens ne se sentent pas concernés directement. Donc vous voyez, aussi bien en recettes, ils ont surestimé les recettes, qu'en dépenses, ils ont sous-estimé les dépenses. Il est impossible de tenir ce déficit de 1247 pour ma part, en tant qu'économiste. Ce n'est pas l'homme politique qui vous parle. Notre déficit pour 2017 sera plus proche de 2 500 à 3 000 milliards de dinars. C'est celui-là qui va être financé par la planche à billets. Et cumulé ? Cumulé sur 5 ans. Mais si vous prenez un chiffre constant de 2 500 milliards, qui est au bas mot de 2 500 milliards, et à supposer que dans les années qui viennent, on n'augmente pas les salaires de personne pendant 5 ans, ni aucune dépense pendant 5 ans, vous allez avoir 2 500 fois 5, c'est-à-dire 12 500 milliards. Que représente 12 500 milliards? Ça représente à peu près deux fois, les dinars qui ont été fabriqués, la totalité des dinars qui ont été fabriqués depuis l'indépendance. Ça veut dire qu'ils vont devoir fabriquer maintenant d'un coup. Bien sûr. Pour les 5 années prochaines. Non, on fabrique au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Mais sur les 5 ans, on fabriquerait selon vous à peu près 12 000. Ça veut dire tout ce qu'on a fabriqué de l'indépendance à aujourd'hui. Plus que ce qui a été fabriqué depuis l'indépendance. En monnaie. En monnaie, en billets, sans aucune contrepartie. Et ça va entraîner une inflation incroyable. Bien entendu. Ça va faire exploser tous les prix. Bien entendu. Bien entendu. De manière quasiment mathématique. Et alors, il ne nous dit pas, ce brave Ouyahia, il ne nous dit pas comment résorber, comment rembourser cet argent, contrairement au financement conventionnel tel qu'il se pratique à l'étranger. Comment il va résorber. Autrement dit, il ment, il nous ment encore. Et je vais vous dire comment ils vont financer ce déficit budgétaire. C'est les salariés, c'est les fonctionnaires, y compris les soldats, y compris les militaires, les gendarmes, qui vont financer ce déficit budgétaire par l'inflation. Parce que l'inflation, sur la valeur de la monnaie qu'ils vont recevoir. Monnaie, elle va leur rapporter moins
de biens, moins de produits. Et ça va faire une pression supérieure pour la dévaluation. Oui, et donc tout se tient. C'est un enchaînement. C'est un enchaînement. Qui va nous précipiter vers quelque chose d'affreux. Et tous ces dysfonctionnements vont s'alimenter les uns les autres, vont s'aggraver, vont avoir un effet aggravant les uns sur les autres. C'est un engrenage. C'est un engrenage terrible. Voilà la duplique. Mais est-ce qu'il y a des alternatives à ce genre de financement monétaire? Bien sûr qu'il y a des alternatives. D'abord, est-ce que le gouvernement en a évoqué? Il a évoqué l'endettement extérieur. C'est-à-dire, pour souligner un peu la paix sur le choléra. Si vous ne voulez pas de l'endettement, il faut accepter même pas, ça. Même pas. Parce que l'endettement extérieur, là aussi, ils font croire deux choses qui sont fausses. Ils font croire que l'endettement extérieur peut régler le problème de l'épargne intérieure. Il peut régler, dans certaines conditions, un problème d'épargne intérieure, mais pas des déficits qui résultent de dépenses courantes. Parce que l'endettement extérieur, il est fait pour financer des dépenses d'investissement. Vous n'imaginez pas, Sidi Jamel, qu'une banque algérienne se présente, ou une entreprise comme Sonatrach, se présente sur les marchés financiers extérieurs ou s'adresse à la Banque mondiale pour dire « je vais payer les salaires ». Prêtez-nous de l'argent pour payer les salaires. Oui. Ce n'est pas possible. Oui. Par contre, si vous présentez un projet d'investissement, là… Vous êtes solvable, vous êtes crédible. Et c'est le deuxième mensonge du gouvernement, des autorités, c'est de dire que c'est mauvais. Et on souligne la grande sagesse du président de la République, qui a remboursé la dette et heureusement qu'il nous a sauvés. Donc on va surtout veiller à respecter ce vœu pieux, n'est-ce pas, du président de la République. On ne va pas aller vers le diable. Mais d'abord, Ali Benouali, si tel était le cas, s'il recourait à l'endettement extérieur, est-ce qu'on leur prêterait tout ce dont ils ont vraiment besoin pour combler les déficits ? On ne vous prêtera pas d'argent pour financer les dépenses courantes. On ne vous prêtera d'argent que pour financer des investissements. Or, les investissements, vous en connaissez beaucoup? Non. Est-ce que dans le programme du gouvernement, il y a des investissements productifs? Ils parlent de millions de logements, d'autoroutes, de routes. On ne vous financera pas pour… D'industrialisation ou de réindustrialisation. Ça, c'est des biens de consommation durable. Oui. Mais ça reste des biens de consommation. Oui. Parce qu'ils ne produisent pas de richesse. Oui. Ce dont le pays a besoin, c'est de créer de la richesse. Une autoroute, ils sont censés produire. C'est un bien durable également. C'est indirectement productif. C'est de l'environnement général qui sous-tend le développement de l'économie, mais qui, hélas, ne produit pas tout de suite. Mais si demain, il y a un péage, elle devient un investissement à plein titre. Oui, vous faites raison. Vous avez raison de souligner le péage qui serait une source de recettes. Une entreprise. De recettes. Mais enfin, comment financer l'autoroute? Vous ne pouvez pas. Vous pouvez la financer par l'endettement extérieur si vous amenez des investisseurs étrangers à mettre leur argent pour construire des autoroutes. Ils deviendraient propriétaires d'autoroutes et ils se rembourseraient par les recettes de péage. Oui. Mais est-ce que c'est la voie que le gouvernement a empruntée? Non. Non. Quelles seraient vos alternatives si vous aviez le choix? Si vous étiez aux affaires? Il y a des alternatives à court terme, les palliatifs. Et il y a les réformes profondes, ce qu'on appelle les réformes de structure. Parmi les palliatifs à court terme auxquels le gouvernement n'a pas réfléchi, c'est par exemple, qui a la préférence du Fonds monétaire international, c'est la dévaluation. Parce que la dévaluation permet de reconstituer l'épargne intérieure qui a disparu. Parce qu'immédiatement, dès que vous dévaluez, vous augmentez les recettes fiscales en dinars. Oui. Ça aurait pu être une solution, de fait. En rapport avec les besoins, le trou? Bien entendu. D'accord. Bien entendu. Imaginez que vous dévaluez de 100%. Ne soyez pas effrayés par ce chiffre. Oui. Je vous rappelle que de 1994 à 1997, après la signature de l'accord de rééchelonnement avec le Fonds monétaire, nous avons dévalué de 400%. C'est comme si l'euro passe de 140 dinars à 560 dinars pour un euro. Évidemment, le gouvernement n'a pas rejeté la dévaluation, mais il en craint les conséquences. Et donc, il dévalue pour faire plaisir au FMI de manière rampante, discrète et de peu. Et vous avez vu déjà les conséquences sur les prix intérieurs. Tout ce qui est importé augmente. On a dévalué depuis deux ans de 20%, je crois.
eh bien, les prix ont augmenté. Et ils augmentent généralement plus que le pourcentage de la dévaluation parce que l'inflation s'auto-alimente. Alors, cette dévaluation donc, pourrait être une alternative pour établir l'épargne intérieure et combler le déficit budgétaire. Mais évidemment, elle a des conséquences sociales très lourdes. Mais pourquoi le gouvernement ne veut pas d'une dévaluation franche et massive? Parce qu'elle interpelle les citoyens. C'est de la responsabilité directe du gouvernement. Donc, les augmentations qui résultent d'une dévaluation seront imputables directement au gouvernement. Et c'est ça, l'inverse de l'anesthésie qui a été pratiquée pendant... Ils préfèrent le financement non conventionnel en se disant « les gens ne vont rien comprendre ». Et quand bien même ils comprennent, grâce à nous, que ça va entraîner une fabrication de billets exceptionnellement élevée, quand bien même les gens comprennent que ça entraîne une fabrication de dinars, ils tablent sur le fait que le peuple est idiot et qui ne va pas faire le lien entre la fabrication de dinars et l'inflation, contrairement à la dévaluation. Maintenant, la dévaluation, permettez-moi de dire, ce n'est pas ma tasse de thé, ce n'est pas du tout, mais c'est un échec, c'est-à-dire vous prenez... C'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. C'est là, wahd l'ikhla, quelqu'un qui a mal géré, et qui doit de l'argent à la banque, qui doit assumer, sinon la banque va lui saisir sa maison. C'est un fait. Oui. Il peut négocier avec la banque, mais il ne peut pas dire à la banque, vous n'avez pas le droit de me saisir mon bien. Oui. C'est un échec. Et cette dévaluation, par rapport à l'inflation d'origine monétaire, à la création monétaire, à la planche à billets, elle a au moins le mérite de mettre immédiatement en place les mesures de sauvegarde, c'est-à-dire un filet social pour protéger les couches les plus défavorisées. On va leur donner directement de l'argent au lieu de subventionner le pain, l'électricité, le gaz, le sucre, les usines de chocolat. Qui profite à M. Haddad, comme il profite et qui profite plus à M. Haddad, qui consomme plus d'électricité, etc., qu'aux pauvres gens. Donc les filets de sauvegarde viennent directement dans la foulée des dévaluations. Et en plus, la dévaluation va amener des réformes de structure, parce que ça va entraîner des remises en cause, ça va impacter les entreprises, le secteur public, et ça va contraindre le gouvernement à opérer des réformes malgré lui. Et puis, elle a des avantages aussi. Elle rend moins cher les produits algériens, puisqu'on veut... À l'exportation. C'est dans le plan d'action. À l'exportation. Mais oui, exporter, c'est dans le plan d'action. Autre chose que des hydrocarbures, moi je les prends au mot. Si vous voulez exporter autre chose que des hydrocarbures, dévaluez. Et puis, vous gérez les effets négatifs par la mise en place de mesures de sauvegarde. Eh bien, la dévaluation n'a pas été évoquée du tout. On préfère la faire de manière rampante. Hormis la dévaluation, qu'est-ce que vous voyez d'autre comme initiative? Alors, il y a évidemment d'autres choses, mais les principales, parce que nous parlons de court terme, il n'y a pas de miracle, si Jamel. À court terme, si vous voulez rétablir le déficit, c'est le financement monétaire, on a vu, ses conséquences désastreuses. La dévaluation, c'est ce qui coule sous le bon sens. C'est clair. Vous avez un pouvoir d'achat distribué au fil des ans pour acheter la paix sociale qui ne reflète pas l'état de productivité de votre économie. Vous ne produisez pas assez de richesses pour faire face, pour donner aux gens à qui vous avez donné du pouvoir d'achat. Comment ils ont fait depuis 2010 jusqu'à 2015? Ils ont importé, ils ont dilapidé les devises que le pays ils a gagnées. Ils ont distribué sans avoir créé de richesses. Au lieu de créer des richesses à l'intérieur, ils ont transformé le pouvoir d'achat intérieur en dinars, ils l'ont transformé, ils l'ont compensé, ils l'ont satisfait par des importations. Et aujourd'hui, c'est ça le problème pour eux, ils ont épuisé toutes les bonnes solutions. Et puis ils sont malins, ils se disent 100 milliards. Rappelez-vous, j'avais dit... au peuple, surveiller la barre des 100 milliards. Si on la casse... On est descendu maintenant. C'est là, 15 jours après ou 3 semaines, elle a dit, on ne baissera pas en dessous de 100 milliards. Ce qui est la preuve qu'ils nous écoutent. Voilà. OK, alors vous ne voulez pas baisser en dessous de 100 milliards. OK, alors débrouillez-vous avec le pouvoir d'achat que vous allez détruire. D'abord, même s'il n'y a pas plus d'inflation, même si on ne finance pas par la planche à billets, le pouvoir d'achat qui a été distribué pendant des années... Il faut bien le satisfaire. Il n'y a pas de produit assez de produits, de marchandises, des biens d'équipement localement pour éviter d'importer. Ou alors, on bloque l'importation, on la limite, on bloque et on crée quand même de l'inflation. Parce que ce que vous ne pouvez pas satisfaire par l'importation donne lieu à hausse des prix. Et cette hausse des prix va être aggravée par le financement, par la planche à billets.
Donc, s'ils veulent sauvegarder les 100 milliards de dollars, ils vont avoir des émeutes. Mais justement, Ali Benouari, il y a une chose que je ne comprends pas dans le discours de... sachant que tout ce que nous consommons est importé, tout, y compris ce qui est produit en Algérie. Enfin, presque tout. Presque tout. Par exemple, là, je vous donne l'exemple du pain. Le pain est fabriqué en Algérie. Oui. Mais quand vous voyez les intrants, tous les intrants sont importés, bien sûr. Compris le moteur qui fait monter l'eau, le pneu du camion qui transporte la farine et tout. Bien sûr. Et donc, alors, avec la planche à billets, ils vont pouvoir créer de la monnaie pour consommer, mais ils ne vont pas pouvoir créer de la monnaie pour importer ces biens. Eh bien justement, c'est ça le problème, c'est que c'est cette monnaie qu'ils vont fabriquer, elle va financer des déficits. Mais comme le financement de ces déficits par la planche à billets va entraîner de l'inflation quasi mécaniquement, les gens à qui vous avez bloqué les salaires, dont vous avez bloqué les salaires, vont voir leur pouvoir d'achat fondre, baisser encore plus. Peut-être deux ou trois fois. Autrement dit, celui qui touche 30 000 dinars, si l'inflation est de 100%, il va toucher 15 000 dinars. Voilà. Et donc, les gens vont voir leur pouvoir d'achat fondre comme neige au soleil, tous les pouvoirs d'achat accumulés qui ont été distribués depuis 2010 vont être récupérés par l'inflation. C'est comme un impôt invisible. Ils vont être mangés par l'inflation et les gens vont se retrouver dans une situation... Et le taux de change parallèle de l'euro et du dollar au marché Square Porcelain, est-ce qu'il va être affecté par... Bien sûr, bien sûr. Alors, vous abordez un sujet extrêmement technique, Parce que, alors, ils ne veulent pas toucher aux importations, admettons qu'on reste à 100 milliards de dollars. Mais ils vont diminuer le pouvoir d'achat des gens en créant de l'inflation. Il faut savoir que cette inflation va amener les gens à fuir devant les banques, à aggraver le problème des déficits, puisque les gens, même ceux qui ont de l'argent dans les banques, vont les retirer. Et donc, le déficit va augmenter et on va produire plus de dinars pour compenser. Et l'argent qui est retiré des banques, plus l'argent qui est au noir, dont je rappelle qu'il représente 60% des billets qui ont été fabriqués depuis l'indépendance. 60% de ces billets ne rentrent jamais dans les banques, vont financer la spéculation, donnent lieu à de la corruption. À de la panique aussi. Servent à acheter des devises. Et donc, vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont, pour protéger leur épargne, acheter de la devise sur le marché noir. Oui. Et donc le prix, beaucoup de demandes. Donc, vous allez avoir... Le taux sur le marché parallèle va flamber. Et si le taux sur le marché, le taux officiel, s'il décide de ne pas dévaluer, l'écart entre le taux parallèle et le taux officiel va s'élargir. Oui. Mais en s'élargissant, il va détruire ce qui reste de confiance dans l'économie. Parce que ceux qui transfèrent de l'argent comme les immigrés, il n'y a pas un euro qui va rentrer. Oui. Tous vont passer par le marché noir. Ensuite, ce taux de change officiel devient un taux de change encore plus surévalué. C'est-à-dire que vous allez acheter des produits qui sont en réalité subventionnés. C'est-à-dire que l'État subventionne par le taux de change. Donc, les effets vont se cumuler pour aboutir inéluctablement à une dévaluation de plus grande ampleur comme une digue qui cède. Alors, comme il ne reste plus beaucoup de temps, nous allons aller un peu vite. Quelle est donc cette contradiction de M. Ouyahia, qui d'un côté nous dit, alors vraiment c'est des cris d'orfraie qu'il pousse, il nous dit qu'on a failli ne pas pouvoir financer les salaires de novembre. Et ça a été un gros pavé dans la mare, il a même regretté de l'avoir dit, paraît-il. Et de l'autre côté, il nous dit non, que cette mesure de planche à billets, appelons-la comme ça, ne présente pas de risque, qu'elle ne sera pas inflationniste, et qu'elle va même servir à financer des dépenses d'investissement. Ce ne sont pas des contradictions. Alors, bien sûr, il s'est pas piégé tout seul. Hein, on l'a aidé un peu, parce qu'en parlant immédiatement de planche à billets, donc il a été obligé de dire non, c'est une nécessité, de peur qu'on lui refuse la mesure. Et il a dit, pour forcer la main aux députés, par exemple, pour leur forcer la main, si vous ne votez pas en novembre, on ne pourra plus payer les salaires, ce qui est vrai. On lui a forcé la main, on l'a forcé à le dire. Mais en même temps, il fallait se rattraper. Alors qu'a-t-il dit? Mais attention, cet argent, ces dinars que nous allons fabriquer, ils ne sont pas inflationnistes, ils vont servir à financer les dépenses d'investissement. Or, les dépenses d'investissement, en plongeant dans la structure des dépenses d'équipement, on s'aperçoit que la moitié, c'est des dépenses de soutien, c'est des transferts sociaux. Il y a très peu de dépenses d'investissement.
donc peut-être 500 milliards, 600 milliards, sur un déficit dont je vous disais tout à l'heure qu'il est sous-estimé. Donc sur 3 000 milliards de dinars à peu près, vous avez peut-être au grand maximum 500, 600, 700 milliards de dépenses liées à des investissements. Pas des investissements, des dépenses liées à des investissements et des investissements qui ne sont pas directement productifs. Donc l'un dans l'autre, vous allez avoir 3 000 milliards de dinars qui vont avoir un impact au moins à 80% très, très, très inflationniste. Encore une fois, il a menti au peuple. Et c'est une fuite en avant. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? À gagner du temps Ils cherchent à gagner, ils cherchent tous à gagner du temps. Ils ont cru gagner du temps en gardant les devises, les 100 milliards. En faisant tout ça, découle de la, en grande partie de la volonté de maintenir les 100 milliards de dollars de réserve de change pour aller au moins jusqu'à 2019. D'ailleurs, il a parlé de 3 ans. Oui. Ça veut dire qu'ils veulent acheter les 3 ans en se disant, Inch'Allah, le pétrole va augmenter. Maintenant, ils en sont réduits à souhaiter, à rêver d'une augmentation du pétrole, comme en 2000, 2002, 2003, etc. Ils comptent sur Allah pour les tirer du pétrin. Vous pensez que c'est une décision prise par Ouyahia, c'est un consensus au sein du régime, n'ont pas le choix, à votre avis, politiquement parlant. On peut laisser cette question vers la fin, si vous le voulez. Mais nous sommes à la fin. Rapidement, oui. C'est ce paradoxe. D'ailleurs, je publie tout ce que je vous dis fait partie d'un article que je vais publier dans quelques jours et qui précisément restitue les choses dans leur contexte. Et qui sur quel support Si Liberté veut encore abriter un de mes articles, ce sera dans Liberté. Très bien. Et ce sera traduit en arabe et publié également dans Chourour ou dans un journal, afin que les lecteurs arabophones puissent également être au même niveau d'information. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la contrepartie, nous avons un paradoxe, des réserves de change relativement confortables et pas de dinars. Mais où sont partis les dinars? Oui. La question que tous les Algériens devraient se poser, puisqu'on fait de la pédagogie financière, où sont partis les dinars? Les dinars, je vous ai dit que chaque devise gagnée à l'exportation donne lieu à création de dinars. Donc on a fabriqué l'équivalent de 900 milliards de dollars en dinars. En 20 ans. Oui, en 20 ans, 18 ans. Ces dinars ont été absorbés en dépenses diverses, en gaspillage, en corruption aussi, mais une partie d'entre elles est sur le marché noir. Et c'est extrêmement important de dire que, au lieu, par rapport aux mesures à court terme, pourquoi ils n'ont pas changé la monnaie? Les dinars, non, mais avant de changer, il faut savoir que c'est la contrepartie de ces réserves de change, parce que c'est des dinars qui ont été créés. Un dinar que vous créez, il ne disparaît pas. On ne va pas brûler des dinars. Oui. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Eh bien, on évalue, et confirmé par Sellel en 2016, et le gouverneur de la Banque centrale d'Arsassi, à peu près 4 000 milliards de dinars se trouvent au marché noir. Est-ce que vous réalisez? Oui. Cet argent étant en noir. Dans le seul circuit du noir. Absolument. Il ne peut donc pas financer le déficit budgétaire. Mais justement, pourquoi ils n'ont pas créé une nouvelle monnaie pour contraindre les gens? Justement, j'y arrive. Ils ont créé, ils préfèrent créer de nouveaux billets plutôt que de récupérer les billets qui sont en noir. Or, ces billets qui sont en noir, s'ils étaient recyclés, ils ne seraient pas inflationnistes. Au contraire, ils généreraient des impôts qui permettraient d'augmenter les recettes fiscales. Donc, on aurait des recettes fiscales qui augmenteraient. Et on aurait des disponibilités, des liquidités auprès des banques que les banques pourraient utiliser pour acheter des bons du Trésor non inflationnistes. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne prennent pas des mesures pour obliger les gens à ramener leur argent, les changer contre de nouveaux billets? Rappelez-vous, dans mon programme pour les élections de 2014, j'avais présenté tout un programme de réformes à tous les niveaux, et notamment cette fameuse réforme monétaire et fiscale. Et j'avais préconisé de changer les billets. Changer les billets de banque, c'est le seul moyen de ramener tout l'argent. De ramasser tout l'argent qui est en noir, sinon ils ont des circuits parallèles. Bien sûr. Et comment, quel usage on pouvait faire? Mais même les gens qui les détiennent, cet argent, ils vont perdre dans l'échange. Avec la planche à billets qui arrive, la valeur de ce qu'ils possèdent. Faites leur confiance. Oui. Ils vont investir dans la spéculation. Ils vont spéculer. Ils vont spéculer à mort. Ils vont acheter de la marchandise. Et donc aggraver la situation. Ils vont acheter de la marchandise qu'ils vont stocker pour la revendre plus cher. Ils vont acheter des devises. Ça va saigner encore plus le pays, etc. Ces dinars-là,
Ces sommes d'argent faramineuses, 80% quasiment de la masse en circulation, ils sont entre les mains de qui? Ils sont entre les mains de monsieur et madame tout le monde. Ils sont en particulier entre les mains des oligarques, des grandes fortunes algériennes. Eh bien, cet argent, parce qu'ils ne payent pas d'impôts dessus. La première, si j'étais simplement conseiller du ministre des Finances, puisque j'ai été conseiller avant d'être ministre, et c'était le rôle des conseillers, c'est de dire, monsieur le ministre, voilà un gisement intéressant qui n'est pas dangereux, il n'est pas inflationniste, il faut récupérer cet argent. Alors, ou ils n'ont plus de conseillers, ou ils croient qu'ils savent alors qu'ils ne savent pas, ou, pire encore, ils savent, mais ils ne veulent pas s'attaquer. Ils se toucheraient eux-mêmes. Ils ne veulent pas s'attaquer au marché noir parce qu'ils sont quelque part, ils ont des intérêts. Et c'est un marché noir qui a été en quelque sorte le rempart contre tous les changements. Mais sinon, Ali Ben Wali, nous arrivons à la fin. Il vous reste environ une minute. Oui. Donc, je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que si on veut résoudre les problèmes financiers du pays, puisqu'on parlait de finances, le seul moyen, c'est d'évaluer franchement et entamer des réformes de structure immédiatement derrière. Et ces réformes de structure, c'est réformer la politique budgétaire qui est complètement tordue, où les riches ne payent pas d'impôts. C'est peu d'impôts, où les salariés payent plus d'impôts que les riches. Il n'y a que les salariés et son attraque. Bien sûr, où les dépenses de sécurité représentent un véritable frein au développement, un poids insupportable qui devient insupportable pour l'économie, puisque c'est un tiers des dépenses de fonctionnement sont réservées à l'intérieur et à la défense, autrement dit à des dépenses de sécurité. Cela signifie que le développement du pays est entravé, parce que la plupart des ministères, l'agriculture, la santé, le transport dans un pays très vaste, vous savez que la plupart des ministères ont un budget qui est inférieur à 1%. Comment voulez-vous développer le pays quand vous avez des dépenses, quand il y a des déséquilibres aussi importants? Donc il faut entamer des réformes de structure dans la politique budgétaire, une réforme monétaire et fiscale profonde, rétablir la vérité des prix, même du dinar. Instaurer la convertibilité du dinar, lui enlever 2 zéros, changer les billets, prendre une partie de cet argent qui est au noir, l'affecter à la création d'emplois. Au lieu que ce soit des amendes, on peut imaginer ce que j'avais fait, prélever 30% et les déposer dans un fonds de développement à 10 ans sans intérêt. Et cet argent-là pourrait servir à créer des emplois. Tant de réformes de structure, naturellement, appellent à des réformes politiques, parce que, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur nature, ces réformes de structure feront appel à l'austérité, demanderont des sacrifices aux Algériens. Et les Algériens, vous croyez qu'ils vont accepter des sacrifices? C'est la question que je voulais s'il n'y a pas en contrepartie le rétablissement des libertés et faire que les Algériens soient représentés par les gens qu'ils ont élus, seuls des gens élus. Et que les sacrifices soient partagés. Vous voyez, c'est un vaste chantier. Ali Ben Wali, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Prawa al-akhir. Salama.